Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 9 juin. Il a commencé par son quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Vichy en Réunion 1. Il s'agira également de la première épreuve du Grand Chelem, une épreuve qui rassemble 18 compétiteurs répartis sur 3 échelons de départ. Nous avons a priori une base en béton, c'est le numéro 13 Ricimer, un cheval de qualité qui a déjà gagné de bonnes épreuves à Vincennes. Il a fait, en tout cas son entraîneur driver, à savoir Hervé Sionneau, a fait de cette course un objectif. Le cheval reste sur 2 victoires, une à Laval, l'autre en dernier lieu à Vincennes. Bref, tous les feux sont au vert. Le cheval a bien travaillé en vue de cette épreuve. Il est tout simplement invaincu en 2 sorties publiques à Vichy. Bref, c'est la base incontournable. Je lui oppose le numéro 7, Kilian Joyeux, qui lui part au premier échelon. C'est un bon cheval, estimé par Franck Harel, également un bon droitier. Sachez qu'il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties. Donc attention à lui en tête, lui qui aime trotter aux avant-postes et capable d'aller loin. Numéro 15, Sissi Charentaise. On ne la présente plus dans les tournois de ce genre. Elle possède de la qualité. D'ailleurs, cette jument de 5 ans fait partie des meilleures de sa promotion. C'est également une bonne droitière. L'écurie Bossuet, père et fils, Jean-Baptiste et François-Pierre, effectuent le déplacement dans le centre-est avec des prétentions. Ensuite, j'ai retenu numéro 6, Pedro Vichy, un cheval de qualité qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Le cheval est en forme, comme le prouve son succès à Laval début mai. Il vient de confirmer en prenant une 4e place courageuse à Vincennes. Lui aussi doit pouvoir finir dans le quintet. Je me méfierai également du numéro 18, Jiggle Face, présenté par Lufti Colgjini, entraîneur albanais basé en Scandinavie. C'est un bon cheval, ce Jiggle Face. Malheureusement, il devra composer avec un handicap initial de 50 mètres. Mais attention, il avait été longtemps pressenti pour participer au Harper Hanover, la veille de l'Elite Club à Solvalla, preuve de sa qualité. Donc je le pense capable, en dépit de cette position initiale aux 3575 mètres, de jouer également un bon rôle associé à Dominique Locneux. Ensuite, j'ai retenu le 12, Candice, une jument dure à l'effort qui apprécie les parcours de tenue, seul bémol, sa mise en jambe. Elle se montre parfois hésitante au départ. Numéro 2, Kango, s'il est décidé et qu'il se montre sage, lui aussi peut faire l'arrivée. Et le numéro 11, c'est Nartène des Lupins, cheval extrêmement régulier, sans doute barré par le succès, mais une nouvelle fois, il va mettre son cœur sur la piste, finir vite et dans ses conditions, une place et une 4e, 5e place est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, le 13, le 7, le 15, le 6, le 18 et le 12, suivi des numéros 2 et 11, 13, 7, 15, 6, 18, 12, 2 et 11. Toujours à Vichy en Réunion 1. Je sais que Fabrice Rebêche, qui entraîne en Normandie, en bord de mer, non loin de la famille Goetz, est assez confiant que 314 Quart de Gauthier, le cheval est en forme. Il reste sur 2 bons résultats corde à droite. Le premier à Cholet, où il avait pris une 2e place sous la selle, suivi d'une victoire récemment à Lisieux. Le cheval est en forme, bien engagé. Dans ces conditions, c'est un candidat à la victoire. 314, Quas des Gauthier. Je me méfierais pour lui du 311, Reva de la Frette. Elle n'a pas paru en piste depuis le mois d'octobre, mais c'est une jument de qualité confirmée sous la selle. La méfiance s'impose d'emblée pour cet élève de Franck Leblanc. 314, 311. Dans la 5e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec David Charbonnel, qui présente le 515 Horoz du Metz. Le cheval vient de se classer 4e d'une épreuve de même facture à Nancy. Franck Nivard, son driver ce jour-là, a confié à David Charbonnel qu'il l'aurait terminé beaucoup plus près et pourquoi pas inquiété le lauréat si le cheval avait été déféré pour l'occasion. Ce sera le cas ici. Bref, il faut s'attendre ici à le voir courir en nette amélioration et se montrer beaucoup plus dangereux. Seul bémol, il court à une semaine d'intervalle, voire maintenant 100 degrés de récupération. Mais en tout cas, d'après David Charbonnel, tout devrait bien se passer. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. 515, Horoz du Metz, candidat à la victoire, au dire de son mentor. Sachez également que Bernard Pleyre présente le 507 Polka Doiron. La jument est en forme. La dernière fois, elle s'est précipitée derrière la voiture, autostart. Elle affiche une forme étincelante à la maison. D'après son mentor, elle est capable de venir prendre une place, et ce, à belle cote, car ce ne sera pas la favorite de tout le monde. 515, Horoz du Metz, qui sera plus dangereux cette fois-ci, déféré. 507, Polka Doiron, à racheter, au dire de son mentor. Voilà pour les infos de ce jeudi 9 juin. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain.